tu veux parler? Ouais, bonjour, bonsoir à tous les éléments de la Broubrouli Family. Comme vous le constatez, c'est le maréchal Haftar, le nouveau ministre de la YG. Quand c'est Poyo, c'est Paya. Bra. Bon, je suis avec l'élément, le commissaire de la Broubrouli. Commissaire, viens un peu là, viens un peu là. Commissaire, viens un peu là. Avant de commencer les djenzeli, c'est Poto Koumfa. Voici le commissaire. Ah, c'est le commissaire Lamtele César. Sécurité garantie. Tu connais affaire là. C'est le rendez C'est le rendez. Ok, la Chine populaire. Il paraît que Debordo a trop lapidé le padre Daichi. Toi, Debordo, l'artiste le plus malheureux de Côte d'Ivoire, c'est toi qui as fait les mouvements pour venir insulter le Daichi. Est-ce que toi-même tu es normal? Est-ce que tu es normal? Tu es normal? Moi, bâtard, quoi, petit malheureux, tu es vilain. Un mot qui change chaque un an. T'as été levé, t'as venu insulter le Daichi. Est-ce que tu connais la multiplication? J'ai démontré que nous-mêmes, on est plus maudits que vous. La Chine populaire, ne tombe pas dans les jeux des Poto Koumfa. Parce que Poto Koumfa cherche buzz. Il enquête des célébrités parce qu'il sait que non, s'il ne fait pas ça pour attaquer le Daichi ne va jamais lui répondre. Or, le Daichi va. S'il fait ça, et puis, le Daichi lui répond, il va avoir point. Parce que son nouveau sondage sera dit quoi, Ivoirienne là. Hein? Tu n'as pas dit que bébé Philippe est bon, déjà tu n'as rien. On connaît le secret. Déjà tu n'as rien. Tu es pauvre, tu n'as rien. C'est parce que tu n'arrives pas à avoir 1 million pour faire son chaque jour là. Voilà pourquoi tu t'assois pour dire que tu chantes selon ton rythme. Dis que tu n'as rien. Artiste pauvre, malheureux, le seul artiste qu'on invite ici à Panama à 400 euros. Après, tu as vu ta soirée, toi tu as trop retourné. Toi tu as les tournées les plus malheureux de la Côte d'Ivoire. Tu as vu ta soirée, tu as fait les mouvements pour insulter les gens. Faut apprendre à respecter les gens. La Chine, non, on n'est pas tes camarades. Toi, mais tu as vu tes fanatiques sont quittés derrière toi. Petit bâtard comme ça là. Ta tête, ton drain, mâteau, l'artiste le plus sale de la Côte d'Ivoire. Apprends à respecter les gens, tu as compris. Au suivant, toi Mola, petit bâtard là. C'est toi qui sens. Bon, comme le gars là, lui, il s'est cherché du nom là. Tu es venu, tu es passé maintenant par les fanatiques d'une manière de Europe pour jouer le sentiment de Europe. Parce que Europe se confie à nous. Ou bien, tu veux passer par ça pour atteindre le DG. Il faut faire plus que ça. Parce que ce que tu fais là, c'est rien. Tu as compris? Ce que tu fais, c'est rien. Bon, la Chine populaire, c'est le compte qui est là qui a été récupéré. Voilà, Momo, le maréchal Haftar de la YG, le nouveau ministre certifié. Voilà, soutenu par les têtes dures de Paname. Laissez les morts brûler se masturber. Vous avez compris? Soutenons le Daichi. Restons dans notre logique. Ne laissons pas. Les gens vont venir jouer à nos sentiments pour dire Arafat est impoli, Arafat est comme ça, Arafat est comme ça. On est derrière lui à cause de sa musique. On n'est pas derrière lui à cause de son comportement. Non. On est derrière lui à cause de sa musique. Si tu es derrière lui à cause de son comportement, mon frère, chacun de nous a un défaut sur cette terre. Voilà. Même Jésus, même là. Tout le monde ne l'a pas aimé. Mahomet, là, tout le monde ne l'a pas aimé. Pourquoi c'est Daichi, tout le monde va aimer? Voilà, donc ne passez pas par les sentiments, venez nous emmerder pour dire le monsieur est bomchi, le monsieur est bomcha. Je vous ai déjà dit, après le ramadan, là, on va enchaîner les bata, là, on va les enchaîner. Donc restons concentrés. Il y a quelque chose qui arrive, on va les tuer. Voilà, maintenant c'est la guerre musicale. Voilà, c'est la guerre musicale. Comme ils disent, ils sont prêts. On va leur montrer que nous-mêmes, là, on est mal prêts qu'eux. Vous avez compris? Paris est gouverné, Paris est contrôlé. Laissez les petits djabou, tchapou, tchapou s'embrouiller. Oh ben, la calage, tu me reçois, non? Las Camara, ou ben, Maman Viviane Nyeri, Meli Melo, Lamte César, 4 fois Brassa, Lassina Camara, Aïe, allons et ça. Bon, c'était la petite vidéo, parce que vous avez promis une vidéo aujourd'hui. Donc, ça serait, c'est Jensen sur les réseaux sociaux. Non, mais nos poitrines, c'est la Broubrouli Family, car c'est Pouyou, c'est Paya, bra. Maintenant, les fanatiques malheureux là, vous, parce que c'était ramadan, j'étais dans mon petit trou, en train de faire mon ramadan, vous avez fait les vidéos, attaquer moi le père d'Aïssé, vous avez fait les vidéos, le dénigrer, tout ça c'est l'effet du moto, c'est moto qui vous trauma actuellement, donc on s'en fout de vous, c'est moto qui vous trauma, non on s'en fout de vous, couper des galets là c'est contrôlé, c'est quand on vient à Bengue ici. Vous êtes là, vous sautez à Abidjan. Mais quand on vient là, vous faites quoi? Quand on vient là, vous faites quoi? Big up à l'artiste le plus embourré de Côte d'Ivoire. Voilà, Judas, il veut faire encore un plagiat. Donc apprêtez-vous quoi? C'est un plagiat. C'est Inos B qui veut plager. Voilà. Mais là, quand j'ai fait mon direct hier, il y a certaines personnes qui disent, toi, le Daichi, t'as pas... Tant que le Daichi n'a pas dit que tu es le nouveau ministre, on s'en fout de toi. Hey! Le destitué là, quand il est venu là, c'est lui qui s'est auto-proclamé. Et puis Daichi a vu sa gamme, Daichi l'a validé. C'est comme ça.
nous tous on avait la même gamme, mais c'est lui qui a boycotté, qui nous a boycotté. Et après, il a vu qu'il est dans un faux moment et puis s'est approché de la Broly Family. Vous n'avez pas remarqué à tous les shows de Daichi là, vous voyez son groupe là-bas, il est toujours seul. Toi, tu dis que tu es un groupe. Et puis quand tu vas dans les mouvements de Daichi, c'est la Broly Family qui fait appel. Parce que tu sais que moi, il y a Jamana derrière moi. Vous n'avez pas remarqué. Donc ouvrez vos yeux. Il est seul dans ses bêtises. C'est moi qui l'a créé Mouman et eux là. Et tous l'ont lâché. Parce que quand il gagne une nouvelle personne, il oublie les anciens. C'est un sorcier, c'est un vrai Judas de Yoro. Yoro, c'est pas. C'est un vrai serpent. Donc faites très attention. Remarquez vous-même. C'est quel show de Yoro ici? Quel show de Yoro ici? Il est parti allumer ses propres éléments. Qui dit les noms dans ces vidéos là? Il fait toujours appel à la Broly Family. Parce que moi, j'ai mes éléments. Voilà. On n'est plus dans ça. On va voir maintenant qui a fan derrière lui. On va voir maintenant qui a bon derrière lui. Quand Daichi va venir là, il vient mes éléments, tu viens tes éléments. Tu es seul. Tout le monde t'abandonne à cause de ta médiocrité, à cause de ta sorcellerie.